Hello amis poissons, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour ces prochains jours. Allez, on y va. Que va-t-il se passer pour vous les poissons au niveau sentimental pour les prochains jours? Ok, on a la reine de deniers. Bon bah, alors là, on est clairement dans j'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai besoin de prendre soin de mon foyer. J'ai besoin de prendre soin de mes projets. J'ai besoin de prendre soin. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie. Ça me fait du bien de gérer mon bien-être, mon confort. Vous voyez, c'est un peu cette dynamique. Ok, ah, beaucoup trop de cartes sont sorties, les amis. Allez, pour vous les poissons. Ah ouais, c'est vraiment ça. Mon couple, mon foyer, c'est votre préoccupation, là, hein, pour ces prochains jours. Vous avez peut-être aussi des choses à préparer, une fête, peut-être certaines, vous allez vous marier bientôt, qui sait, bref, ou dans votre entourage, vous êtes en train de préparer ça, vous voyez un petit peu la dynamique. Mais en tout cas, ici, c'est vraiment mon foyer, ma maison, mes proches, mes amours, une célébration. Bref, vous avez ça à gérer et ça vous prend votre temps, votre espace intérieur et c'est plutôt pas mal. Ah, par contre, vous vous sentez peut-être seul à gérer tout ça. Peut-être que à un moment donné, c'est super, mais comme tout le monde sait qu'on peut compter sur vous, bah, au final, bah, tout le monde compte sur vous et vous, vous vous sentez un petit peu, assommé. Hein, donc là, vous aimeriez probablement pouvoir faire ça avec votre chéri, par exemple, pour vous aider. À côté de ça, pour certains, vous êtes tellement concentrés, là, c'est plutôt les célibataires, sur votre vie pro, etc., que là, vous commencez à vous dire, en fait, j'aimerais bien avoir quelqu'un dans ma vie, pouvoir me marier, quoi, trouver l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, parce que là, bah, encore une fois, c'est je fais tout, mais j'aimerais bien ne pas le faire seul, quoi. Il y a vraiment cette idée de ne pas faire seul. D'accord? Donc, si vous êtes célibataire, ben, parce que simplement vous avez envie de trouver l'amour et que maintenant c'est devenu important, il n'y a pas que le boulot. Et puis, si vous avez quelqu'un dans votre vie, c'est genre, bon, ben, tu peux m'aider peut-être maintenant. Vous voyez un peu le truc. Ouais, il y a vraiment cette dynamique de seul. J'organise les choses seule, je construis seule, je suis célibataire et j'aimerais me marier, j'aimerais rencontrer la bonne personne. Il y a vraiment ce truc-là, c'est-à-dire que vous avez des très belles énergies, mais en même temps, il y a ce poids de la solitude qui vient un peu être lourd, quoi. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre vie, il faut absolument lui dire, non, écoute, là, c'est plus possible, je peux pas tout gérer seul. Et si vous avez personne dans votre vie actuellement, bien, c'est peut-être pas non plus en restant seul que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est-à-dire que des fois, vous savez, on est en mode, j'aimerais trop rencontrer quelqu'un, et on dit, hey, tu veux sortir samedi? Ah non, je suis fatiguée. Donc, on n'est pas prêt de rencontrer. Vous voyez un peu la dynamique. Bon, allez, on continue. Ah, les cartes n'en font qu'à leur tête, les amis, les cartes n'en font qu'à leur tête. Alors, pour les poissons, ouais. Du coup, bah, ça crée pas mal de doutes, d'un questionnement, d'incertitude, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils m'aident pas? Pourquoi est-ce que je dois toujours tout gérer? Alors, franchement, est-ce que finalement, j'ai vraiment besoin de cette personne si c'est pour qu'au final, je me retrouve toute seule? Vous voyez un peu, bon, voilà. Et puis, pour vous qui êtes célibataire, bah, vous doutez, est-ce que je vais vraiment rencontrer la bonne personne un jour? Parce que voilà, au niveau de mon boulot et tout, je m'épanouis. Mais au final, j'arrive pas à trouver la bonne personne. Donc, ça vous fait douter, hein, plutôt pas mal. Et là, ça vous met un peu dans le brouillard. Et finalement, c'est peut-être ça aussi qui fait que bah, vous avez du mal à aller à la rencontre, quoi. Ok, on continue. Après, évidemment, on va aller regarder les énergies pour la féminine poisson et après, le masculin poisson. Alors, avec le 5 de bâton, bah oui. Alors là, l'un ou l'autre, hein, quelle que soit votre situation, on est vraiment dans la prise de tête. Alors, pour si vous avez un chéri qui vous soutient pas beaucoup, ça pourrait aller au clash. Hein. Vous pourriez dire, bon, tu commences à m'énerver maintenant. C'est tout à fait probable. Et puis, pour ceux qui ont personne dans leur vie, alors là, ça vous prend la tête. Là, c'est vraiment, moi, j'ai envie d'avoir quelqu'un. Il est temps. Allez, hop, que l'amour arrive. Allez, coup de baguette magique. Vous savez, c'est bon, c'est quand qu'elle arrive, Joséphine Ange Gardien, parce que là, ça fait une plombe que je l'attends, elle est toujours pas là. Du coup, moi, je veux l'amour. Donc, bon, il faut absolument lâcher les armes, il faut absolument revenir à vous, à la paix, pour essayer de comprendre pourquoi, finalement, vous n'avez pas encore trouvé cette bonne personne et comment vous pourriez mettre en place des choses pour la rencontrer, vous voyez, tout simplement. Allez, pour la féminine. Pour vous, les poissons féminins. Ok. Bah oui, c'est ce que je vous disais, hein. C'est, je comprends pas pourquoi je suis seule et en même temps, je refuse les invitations. J'ai pas trop envie de rencontrer de nouvelles personnes. Et en même temps, voilà, des opportunités que j'ai, je vais les refuser. Et attention,
pour vous, les féminines, qui vous sentez un peu seules pour construire quelque chose, pour faire des choses, qui ont quelqu'un dans leur vie, ben, faut aussi accueillir. C'est-à-dire que peut-être que vous dites, ouais, non, tu me proposes cette aide-là, mais cette aide-là, c'est pas comme je veux. Ben, des fois, il faut dire, ok, c'est pas comme je veux, mais cette aide, donc d'accord, quoi. Vous voyez, c'est un peu la dynamique. Allez, pour vous, féminine poisson, alors... Attendez, parce que celle-ci, voilà, et celle-ci, voilà. Bon, on a le cavalier de coupe et le 8 de coupe, les amis. Donc, ouais, il y a vraiment cette dynamique, vous avez tendance à fuir. Si quelqu'un vient vers vous, pour les célibataires, de toute façon, vous avez tendance à, hop, faire une marche arrière. Donc là, si vous êtes célibataire, à mon avis, pas tout le monde, mais pour la plupart d'entre vous, c'est parce que vous avez peur. Vous avez peur de l'amour, vous avez peur que quelqu'un vienne à vous, vous avez peur de lâcher prise et vous êtes plutôt fuyante. Hein, ici, c'est plutôt ça, donc vigilance. Idem, hein, on vous dit ici de pas lâcher quand quelqu'un vient vous proposer son aide, de pas dire non, c'est bon, je vais me débrouiller, quoi. Parce que bah, forcément, à un moment donné, ça va pas matcher et vous allez continuer à vous dire bah, je dois tout gérer. Donc bon, c'est pas l'idéal. Ok, on regarde pour les masculins poissons maintenant. Pour vous, poisson masculin, ouh, on est parle d'amour, on adore. Alors, attendez. Ok, on nous parle d'amour, de boomerang et de correspondance. Donc là, ici, c'est plutôt pas mal parce que si vous vous sentez seul, écoutez, il pourrait y avoir un retour d'amour. Vous pourriez avoir une communication. Alors, cela dit, c'est peut-être vous qui allez retrouver quelqu'un en disant « Bon, moi, j'en ai marre d'être seule, je vais rappeler mon ex. » C'est tout à fait probable. Vous me direz en commentaire, je veux savoir. Il faudra avouer. Mais à côté de ça, c'est aussi peut-être un ex, hein, quelqu'un qui revient vers vous, genre en mode un peu love-love. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il faudra savoir l'accueillir. C'est évidemment votre enjeu, les amis. Eh bien voilà, amis poissons. J'espère que cette guidance vous aura pu aider. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.